Le pari fou de cet homme, un Haïtien qui s'est fixé comme défi de participer au championnat du monde de ski en Allemagne. Sa seule ambition, faire parler de son pays en positif et décrocher des dons pour aider ses concitoyens. Benoît Véran, Fabienne Blévis. Voici le skieur le moins rapide du circuit international. Jean-Pierre Roy, à 47 ans, il est le seul athlète de la Fédération haïtienne de ski. Son expérience sur les spatules se résume à quelques classes de neige et des vacances d'hiver. Ben, j'y vais pour qu'on parle d'Haïti en utilisant les médias une fois dans un autre registre que les catastrophes. Là, on va se dire, tiens, il y a un gars qui vient pour Haïti. Ben voilà, c'est pour soutenir Haïti, pour qu'on les oublie pas. Quelque part, en grande banlieue parisienne, dans le garage de Jean-Pierre, entraînement slalom avec Thierry, son ami et coach. Et JP, là, on dirait que, je sais pas, t'as fait la fête hier soir ou quoi, là. Allez. À eux deux, ils sont la fédération haïtienne de ski. Ah bah de là où on vient, on peut se dire que c'est un pari fou, mais là où on est maintenant, on est au milieu du gué, l'autre rive nous paraît à proximité et c'est sûr qu'on va y arriver. Et puis bon, on a un bon poulain là. Ouais. Allez. Depuis que les instances internationales du ski ont accepté sa candidature en novembre dernier, Jean-Pierre a dû apprendre tous les secrets du compétiteur. Ça là, le quart, c'est la mort. Si c'est pas une lame de rasoir, j'arriverai jamais en bas. Si, je vais arriver en bas sur les fesses. En plus de ça, il doit jongler entre sa famille, sa société de conseil informatique, ses entraînements, bref, il n'arrête jamais. Et pour ce qui est du budget... Ouais, les moyens, quasi zéro en fait. Je fais tout seul, avec des gens qui m'aiment bien, des gens qui m'aident. Ouais. Et des gens qui l'aident, il en a trouvé. Un sponsor lui a même offert un stage de compétition avec l'ancien entraîneur de Franck Picard, médaillé d'or au JO en 1988. Débriefing. Je pense que ton but c'est d'arriver, non? Donc le principal c'est d'arriver, donc il faut quand même en garder un petit peu sous le pied. Peaufiner ses courbes, travailler son engagement, Jean-Pierre s'applique. Et quant au détour d'une piste, un champion en devenir rencontre une légende du ski, Jean-Pierre. Ça colle. Ben, il a les yeux qui pétillent, donc ça veut dire qu'il a envie. Et je trouve que c'est un projet qui est beau, quoi, surtout dans le milieu du ski. Et sortir des sentiers battus comme ça, je trouve ça extraordinaire. Moi, je suis admiratif. Moi, c'est la médaille en chocolat quoi, que je veux, moi. Même pas en chocolat, la médaille en or blanc pour Haïti. C'est ça que je veux. Et si vous voulez soutenir Jean-Pierre Roy dans son projet fou, vous pouvez aller sur son site internet. Le voici, ce site internet.